et RBC nous a apporté beaucoup. En fait, nous, on a fait les trois phases. On a fait explorer, esquisser, et là, aujourd'hui, on est en train de finir concrétiser. Et à travers ces trois phases, ça nous a apporté surtout beaucoup d'encouragement à esquisser, parce qu'on a gagné un prix ici, même si c'était un petit concours. Le fait d'avoir gagné un prix, on s'est dit, bon, bah, notre projet, c'est peut-être quelque chose, on va continuer. Puis grâce à ça, on a continué plus loin, donc dans le troisième concours concrétisé. Et là, donc ça nous a apporté du coaching, beaucoup d'ateliers et surtout des travail armé, des choses assez grosses qu'on n'aurait pas fait sans être dans ce concours. Par exemple, on devait faire le plan d'affaires, on devait faire des pitchs. Et donc ça nous a donné le temps de vraiment travailler sur le développement de notre entreprise. Eh bien, Chrysalabs, c'est une jeune entreprise de Montréal et on développe des technologies d'analyse de sol pour l'agriculture. L'idée, c'est que les agriculteurs ne savent pas forcément qu'est-ce que leur sol contient en termes de nutriments et de matières organiques et de pH, toutes les paramètres qui sont importants pour faire pousser les plantes qui font pousser. Puis on leur fournit une façon de connaître instantanément ces nutriments.